Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance des messages d'âme à âme du 14 septembre, du mardi donc 14 septembre. J'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je tenais à faire un gros clin d'œil ce matin à Edwige Messel. Je vous laisserai son profil Facebook sous la barre d'information de cette vidéo. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré parce qu'elle est venue vers moi en fait. Et j'adore ce qu'elle fait au niveau des peintures. Voilà, elle a... Enfin, moi, en tout cas, elle m'a touchée dans mon âme, touchée dans mon cœur. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir ces toiles qui sont pétillantes, qui sont des rencontres d'âme à âme, je trouve. Enfin, voilà, j'adore ce qu'elle fait. De toute façon, elle le sait. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le masculin sacré. Voilà, comme vous le savez, j'aime bien être dans le partage. Le tout, c'est que je partage ce qui me parle, ce qui vibre en moi, ce qui résonne, ce qui me touche, tout simplement. Allez, donc on va commencer avec l'oracle des flammes jumelles pour le masculin sacré. Alors, te sentir deux. On parle de double, de mélange et d'incompréhension. Parfois, tu peux te sentir deux. Parfois, tu peux te sentir envahi par les émotions, par les ressentis de l'autre. Parfois, tu peux te sentir fou. C'est normal. Au fond, vous ne formez qu'un. Tu as les capacités nécessaires pour épurer, transcender dans un premier temps pour vous deux. Tout ce que tu ressens est juste et voulu, même si la colère est présente. Cette colère envers ce chemin parfois incompréhensible. Aime-toi, aime-toi. Là est la seule clé. Bon, et ben là, on a un masculin qui est mitigé aujourd'hui, qui est dans la colère. Alors quand on éprouve de la colère, que ce soit vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de la vie ou vis-à-vis des situations, c'est qu'en fait on a une partie en nous qui est en colère. Ce que je ressens là aussi, c'est que parfois, tout comme vous les féminines, c'est par moments vous avez du mal à quand vous ressentez trop votre autre. Quand vous ressentez la puissance de cet amour, même si ça nous élève, par moments, c'est... voilà, on a envie de dire stop, stop. Et là, moi, c'est ce que je ressens chez ce masculin. Pour moi, il est dans l'acceptation du lien, mais ça passe encore par des phases émotionnelles en yo-yo, hein, tout comme la féminine. Donc, ouais... Là, il y a cette relation, cet amour, cette puissance, c'est trop et ça le déstabilise là de nouveau. Bon, quelque part, c'est très bien parce que ça fait ressortir ce qu'il a à travailler. Donc, les masculins, soyez vraiment à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passe en vous. Pourquoi cette colère remonte? Est-ce que cette colère, c'est parce que votre autre, quoi qu'il arrive, elle vous aime, et vous, quoi qu'il arrive, vous l'aimerez aussi, vous l'aimez aussi. Donc voilà. Donc là, il y a un réajustement émotionnel là à faire, à comprendre, à libérer. Ok, allez. Pour le féminin sacré. L'abandon. Alors, l'abandon.
Donc là, bah, il y a une petite petit déblocage encore là à travailler sur la blessure d'abandon. Sauveur, affirmation, priorité. Tu te sens délaissé, abandonné. Comment cela puis être ainsi alors que toi tu es là pour lui? Ta blessure te place en sauveuse, à être là pour lui à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seules, rien que pour toi. Tu n'oses rien dire, tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. Donc là, les féminines, on vous demande peut-être de vous positionner. Parce que là, l'un et l'autre, il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous pour justement vous faire travailler. Hein. Il y a quelque chose là à épousseter, j'ai envie de dire. Donc, peut-être que le masculin là retombe un peu dans ses travers et le fait de se sentir voilà, de ressentir sa féminine tout le temps par moment, c'est vrai que c'est épuisant. Hein. Et du coup, je pense que la féminine ressent cette émotion chez son jumeau, cette colère là qui ressort. Du coup, elle se sent de nouveau abandonnée. Donc, adaptée à votre situation. Après, je le rappelle, c'est du général. Vous pouvez aussi également vous retrouver dans les deux polarités ou dans la polarité opposée de base à la vôtre. C'est normal, puisque on est tout le temps en perpétuelle évolution. Bon, et là, sur le lien, on vous dit bien à tous les deux hein, d'être à l'écoute de vos émotions, de ne pas vous enfermer de nouveau dans le déni, dans la fuite. Et ça, ça vaut pour les deux. Il est incroyable de constater à quel point tes émotions changent en sa présence, comme ces émotions changent en ta présence. Oui, bien sûr, à l'origine, vous ne formez qu'un, il ne peut en être autrement. Mais accepte que souvent cela te dérange et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin. Alors peut-être qu'avec votre jumeau, vous vous êtes recroisés, ou vous êtes parlé, ou enfin je ne sais pas. En tout cas, là, il y a une situation qui vous a dérangé tous les deux et qui vous a fait ressortir ce qu'il y a à travailler. Donc, vraiment, soyez présent. Soyez dans l'accueil, dans l'écoute de ce qui se passe en vous, de là où ça fait mal. Voilà, justement, pour le comprendre et le transcender et le guérir, vous en libérer. Toutes ces situations, même si elles sont difficiles à vivre, sont là pour nous aider à grandir. C'est pas pour nous plomber ou quoi que ce soit, c'est pour nous montrer ce qu'on doit encore lâcher. On va prendre un message de l'oracle du Bélin. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Alors, il y a les ennemis. Bon, ben c'est ça. Hein. Là, je pense qu'on a un masculin qui est retombé dans ses travers, retombé dans le mental, retombé dans les doutes. Alors, peut-être qu'il y a des situations en fait, extérieures qui l'ont poussé à bout hein, ou qui l'ont déstabilisé. Et du coup, ça se reproduit vis-à-vis de sa féminine. Donc, le manque de confiance. Là, on a un masculin qui est de nouveau désaligné. Mais ne l'oubliez pas, on est notre propre ennemi. On n'est pas nos émotions. Il faut essayer de se placer à l'extérieur pour mieux les comprendre. En tout cas, là, le masculin, bon, ben, comme de toute façon, vous le savez, dans ce parcours, hein, c'est en yo-yo, d'autant plus là, chez ce masculin, qui pour moi, quand même,
Et en éveil spirituel, ben, il y a des moments, comme vous les féminines en fin de parcours, vous doutez. Voilà, il y a des moments où on doute encore, ça passe très vite. Donc là, il y a encore quelque chose à libérer. Là, le masculin doit comprendre quelque chose en lui, ce qui se passe au niveau émotionnel. Allez, on va voir pour la féminine. L'eau, bon, ben là, pareil, effet miroir, beaucoup d'émotions qui remontent, du mal à accepter la fluidité, peut-être du mal à accepter certaines situations. Là, il y a des choses qui remontent, hein. Des restes. De toute façon, on ne guérit jamais totalement de nos blessures, hein. Mais par moment, voilà, il y a des petites choses encore à travailler. Ouais, là il y a vraiment encore un travail pour moi de purification, mais on vous dit bien, hein, de vous mettre face à ce qui se passe en vous, d'écouter vos émotions, de voir la beauté, c'est-à-dire de tout ce qui ressurgit en vous là, c'est vraiment là pour vous faire avancer. Pour aller vers la lumière, pour vous délester encore d'une part d'ombre en vous, pour apprendre à vous recentrer, à retourner, à vous prioriser, à retourner dans l'amour, dans la lumière, dans le pardon. Et on vous dit que vous pourriez avoir des cadeaux. Alors là, ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas parlé. Les fameux cadeaux mal emballés, moi je les appelle comme ça. Ben là, clairement, hein, on vous met face à un cadeau mal emballé, mais qui est là pour vous faire grandir, pour vous élever, pour aller vers l'amour de vous-même, hein, pour aller vers la guérison du cœur, tout simplement. Ok, allez, on va prendre un message de ma petite boîte de Pandore. D'Émilie de Dieu qui fait des très beaux oracles. Allez, quel message pour vous qui regardez cette vidéo. Donc là, ouais, il y a quelque chose encore à travailler. Et on vous dit en conscience avec le scarabée. Donc plus vous serez en conscience face à ce qui se passe, à analyser, plus ça passera vite. Je suis le peintre, la toile vierge et l'œuvre finale. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Et là, on vous demande vraiment d'être en pleine conscience de ce qui se passe en vous. Et on va terminer. Alors, cet oracle, ça fait aussi un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, mais qui est absolument magnifique. L'oracle Namasté. Allez, pour terminer cette guidance. On vous parle bénédiction de patience. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Alors là, avec cette bénédiction, on vous dit que le temps est un allié. C'est pas là pour en fait vous empêcher. C'est qu'on a besoin de temps pour guérir. Et là, tous les deux, vous avez besoin de ce temps pour vous remettre face à vous-même, pour vous reconnecter à vous, pour aller chercher là ce qui doit être libéré. Donc oui, ça demande du temps. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Soyez dans l'accueil, dans l'écoute et surtout dans la compassion de vous-même et de votre autre. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle. Croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.